19h et on est reparti pour un nouveau stream. Oh, un stream qui me tient à cœur, un stream qui fait un petit peu peur, un stream avec des boulettes. Donc, soirée shmup, parce qu'on va découvrir un titre pas très très connu par chez nous. Je me demande s'il a quitté son archipel. Donc, tout de suite, vous voyez du côté du Japon et vous avez tout juste. Par contre, je vous préviens d'avance, on a affaire à un énorme bâtard. Parce que c'est de ces jeux qui sont sortis au début des années 2000, et puis qui se sont dit, on a déjà tout vu, les shoots en sprite, les shoots en vectoriel, les shoots en 3D. Nous, on va mélanger de la 3D et du sprite. Parce que ça n'a pas été fait. Et nous, on a des grosses baloches, et ça va tout casser, quoi. Est-ce que c'était une bonne idée? La réponse, tout de suite après le flash météo. Comment ça, il n'y a pas de flash météo? Oh, vous n'êtes pas joueurs, les enfants, aujourd'hui. Donc, nous voici dans Shigami no Shiro. Je n'ai pas dit le voyage de Shiro, mais j'y ai pensé très fin. Vous n'avez pas l'image, on me dit en régie. Et là, ça, c'est moche, parce que j'ai quand même fait le setup pour que vous l'ayez. Alors, si le Altadab se met à déconner. Je suis carrément dedans. Surtout qu'on a la musique. Un crowdfunding pour The Big Gamowski qui puisse changer sa machine et avoir un PC authentique. Parce que là, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. Respirons. Shigemi no Shiro, deuxième. Juste après le flash d'information routière. Toujours pas. Là, ça devient moins drôle. Ah, quand même. Comment ça, on n'est pas dans le bon sens, mais si, regarde. Hop, hop, hop. Et voilà, j'ai retourné discrètement le stream. Vous n'avez rien vu. Trop fort. Alpha System. Alors, oui, je vous parlais quand même d'un gros bâtard. Pour revenir au sujet du stream. C'est que Shigami, en fait, oui, bah, vous voyez les décors derrière. Et non, c'est pas du décor. C'est pas des patterns de décors collés les uns aux autres qui se répètent et puis qui se varient comme ils peuvent. C'est de la 3D. Oui, un jour, il faudra que j'arrête de dire 3D et 3D. Mais j'aime tellement, ça me fait rire. Et donc, du coup, par-dessus, vous allez avoir les vaisseaux qui, eux, sont. Bah déjà, et d'une des personnages, mais pas qu'un, et qui de surcroît sont des bons vieux sprites. Alors il y a un mélange qui est super rigolo. Et puis après, quand vous allez observer un peu les patterns des différents trucs à l'écran, vous allez vite percuter qu'on est dans l'école Touhou. Et donc, oui, c'est très connu ces patterns. Alors il y a un nom pour ça, ça fait partie des shooters que j'aime pas trop parce qu'il y a énormément de boulettes à l'écran, mais elles sont énormément lentes. Et du coup c'est énormément pas très drôle. Enfin, il y a des gens qui trouvent ça drôle, mais c'est. Moi je trouve que la vivacité laisse à désirer. Donc voilà, vous reconnaissez ces fameuses boulettes qui pouf, voilà, explosent un peu au ralenti comme ça, puis des fois elles sont là encore sur l'écran, 10 secondes après, on sait pas pourquoi. C'est pas mon délire ce truc-là. Enfin bon, on va regarder ce que vaut ce Shigami. Ça se trouve, il est super génial. Oui, je mets un max de thunes, vous savez. Je choisis mon personnage qui a un tir concentré, un peu spread, un peu il est bourré. Toi, t'es focus à fond. Toi, t'es focus avec un autre truc. Moi, je vais prendre elle, elle me plaît bien. Oui, explique-nous tout. Alors nous avons le tir, ce qui est à peu près normal d'ailleurs dans un shmup. Si on garde appuyé, on déclenche une épée bouclier, qui ne sera pas sans rappeler un certain Radiant, qui on l'espère aura la propriété de cancel aussi les boulettes, plutôt que d'éclater les ennemis, parce que ça sera bien son utilité première, je pense. Le Leech, ça compte apparemment. Et donc l'autre bouton, c'était la méga bombe, je présume. Ah oui, le Leech compte, il augmente ton tir. Mais il est où mon compteur de augmenter quoi d'ailleurs? Je voudrais comprendre.
Au secours, je suis en enfer. Non, tu es au Japon. Ok. Bon, on va faire avec ça. Shigami, dis-moi que t'es cool. C'est bien de me rassurer. Je n'ai absolument rien compris. Oui, moi j'ai des marteaux là. Ça arrive d'en haut, de toute façon, je vais pas rester en bas. C'est un peu comme le tennis, tu tentes à monter au filet au démarrage. Et souvent, ça peut être un bon choix. Hein, regarde. Oui, alors ces boulettes qui se déplacent là. Vous voyez comme je suis speed moi au milieu? Ah ouais, hop, les boulettes, elles. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas trop le genre de shmup de la maison. Hein. Je trouve ça sympa à jouer, c'est agréable, c'est rigolo, il y a des tas d'idées, mais. C'est un gameplay particulier. Mon Dieu, mais que tu es monstrueux, Papillonus. Regarde de l'autre côté ce qui te sert de tête ou de. Papillonus. C'est un enfant. Alors oui, les patterns sont grasses, mais ça va, on a une tête, y a moyen quoi. Entre le moment où elles décollent et celui où elles arrivent, c'est à peu près tranquille. Bon, ceci dit, c'était le premier tableau, maintenant il y a moyen de commencer à piquer un peu les yeux. Regardez-moi ce décor qui bouge en 3D. Alors, c'est très original, mais je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Même les boss, je ne les comprends pas, hein. Je vais tout de suite le dire. Je ne comprends pas grand chose à ce jeu. À part que je suis gentiment, calmement, discipliné, dans l'ordre où c'est imposé, sans trop chercher à vraiment comprendre. Ah bah ça faisait envie cette bombasse, je savais pas l'effet qu'elle faisait, je voulais savoir. Et bien que moi les jeux, faut pas me laisser des bombasses, j'ai trop envie d'essayer. Enfin... Tu cherchais une amie, tiens la voilà. Oh mais. Mais prends des soins pour la peau. Ouais, t'as l'air super énervé d'ailleurs, j'ai pris une boulette. Alors que ce jeu est super simple. Tiens dans ta gueule. Oui bah je suis pas trop pour les contacts quand on se connaît pas. Que ça se réveille un petit poil, mais bon, ça reste quand même très. Oula, t'as invité des copines, toi. Je sais pas à quoi en penser, il faudrait demander à quelqu'un qui aime ce genre de gameplay son opinion à lui ou à elle. Parce que moi je sais pas quoi en penser. Pour l'instant le jeu est pas dur, il est jouable. Il est sélectionné, oui, c'est un truc super agréable. Ça fait partie, oui, de ce qu'on appelle les shoot-to, quoi. Mais c'est un genre et. Alors il y a un côté un peu kitsch chose des fois que les gens aiment aussi. Soit. Enfin, moi je joue pas un shmup pour le côté quelque chose quoi. Je joue pour que ça me pique les yeux plutôt. C'est rikiki mon truc quand même les gars. J'ai l'impression de passer le balai plus que d'avoir une efficacité d'arme redoutable que je dois être, personne n'en doute d'ailleurs.
Ça, c'est check au moins. Parce que là, il commence à me tutoyer, je crois. Ah oui, non, mais moi, je suis comme ça, impitoyable. Sélectionnez. Après, si vous voulez le mettre dans vos tops, que c'est votre gameplay, foncez. Hein. C'est mignon. La musique, je l'entends pas trop parce que j'ai les retours trop bas. Et du coup, je pourrais pas dire, mais ça a l'air de faire. C'est super bien. Puis. Des séries de boss, moi j'aime bien, hein. Honnêtement. Moi c'est, je suis pour, envoie, 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 gars. Vas-y, fais-moi du mal, fais-moi crier, tire-moi les cheveux. Il n'y a aucun souci, je suis dispo. Merde, ah, ça aurait pu passer peut-être avec l'épée, ça, non? Et me revoilà! Niaf, niaf, niaf. Non, 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 tu as mauvaise haleine. Tu as très mauvaise haleine. C'est bien que tu meurs derrière moi, parce que si tu commençais à tirer par derrière, on aurait pu avoir un désaccord. Stage 2, 3. Encore un boss? Non, pas encore. Dommage. Il doit y exister quelques shoots avec des boss uniquement. Il y en a un sur PC, c'est un truc expérimental plus qu'un vrai jeu. Et, où il génère des boss en permanence, puis en plus il apprend de vos habitudes dans le jeu, donc du coup il les adapte en conséquence pour qu'il utilise vos points faibles et vous force à aller là où vous voulez pas trop aller dans le jeu. J'aurais mieux fait d'économiser cette bombe, ce fut très bête. Ça va être long. Squish. Ça n'empêche pas que c'est long. Une bonne idée que tu disparues. Les effets. Bon, c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas assez de variation dans mon tir à moi. Parce qu'il est un poil monotone. Enfin, je me dis qu'il y a des trucs indestructibles, ce serait une bonne idée, je crois. Ce n'est pas très cher, c'est les... Oui, rappelle-toi qu'il y a des trucs, voilà. Oula, que c'est traître, ça, que c'est traître, mais que c'est traître. Le téléphone qui s'y met en plus, forcément c'est pas très fair play. Je suis sûr en plus que c'est cette espèce d'étoile de mer qui a demandé à quelqu'un d'intervenir pour me foutre le chaos et la désolation en même temps. Je ne vois que ça, hein. Et c'est sport, ça. Oula, non mais moi je prends pas ça, c'est trop dangereux. On va s'arrêter sur le prochain Game Over. Parce que c'est peut-être pas la peine que je le spoil en entier, puisqu'il y a aussi quand même le plaisir de la découverte dans le shmup. Oula, qu'est-ce qui se passe?
Heureusement que monsieur fait dans le classique parce que là, il y avait moyen que ça se passe pas terrible. Voilà, mais ça des. D'accord, c'est des suicides qui balancent des. Elles font deux petites boulettes à chaque fois que j'en défonce une. Alors, est-ce que c'est un multi-boss celui-là aussi? Sans doute. Non, oui, peut-être. Oh, c'est beau décor en 3D. Je me suis moqué quand même gratuitement du jeu au démarrage. Hein. Vous avez vu que là, c'est bon, je suis calmé. Là, on joue, on game. Il y a un petit peu de challenge, ça commence à piquer. Lui, il n'a pas l'intention de se laisser faire, moi non plus. Forcément, il va falloir qu'on gère ça. Hein. Et ça va demander un peu de finesse, je pense. Ça, c'en était pas, par exemple. Mais ça m'a fait plaisir quand même. Ouh, purée. Oui, j'oubliais que j'avais mon espèce de tour d'épée. On va arrêter ici quand même, ça serait bête d'en abuser. Donc voilà pour ce Shigami no Shiro qui est sélectionné si vous aimez ce genre de jeu avec la boulette un petit peu lente et puis le perso qui arrive à se faufiler et à qui on demande des performances quand même en esquive assez poussée, bah je pense qu'il est pile pour vous. En plus, je pense que ça peut se trouver en adapté sur des machines récentes vu qu'il date de 2001, ce qui n'est pas trop vieux. Je vous laisse avec les playlists habituelles, celle généraliste et celle des shmup. Et je vous dis à demain, 19h. Ciao!